Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Marvel. Et je ne suis pas tout bas, en même temps c'est sa chaîne, voilà, le seul, l'unique, Dofi. Et oui, bonjour à tous, c'est Dofi, on est ensemble pour un Parlons Marvel, on va parler de Marvel. Programme du jour, plutôt sympa comme programme, on va parler de Loki saison 2. Ensuite on va parler d'une petite actu, voilà une info concernant un acteur, je pense que si vous suivez un petit peu les actus Marvel, vous avez dû le voir passer. Et puis j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur comment ça va se passer du coup dans le futur par rapport à ça, tu vois. Ensuite, il y aura un petit tu préfères que j'ai préparé, un petit tu préfères assez sympathique. Et on terminera la vidéo avec un Hype Morbin Time sur Deadpool 3, parce que c'est le prochain gros film Marvel de mémoire qui va s'apprêter à sortir le 26 juillet, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais, pendant les grandes vacances, ouais. On est parti, je te laisse commencer, Mathieu. Je l'ai vu venir celle-là, et c'est pas... Non, je te jure, parce que je me suis dit la dernière fois, c'était Dofi, donc là, c'est à mon tour. On va parler du coup de Loki saison 2 qui était de souvenir. J'avais dit que en début d'année 2023 c'était l'un des programmes que j'attendais le plus parce que bah voilà, la saison 1 j'ai vraiment apprécié. Ouais, je regarde dans la grille, on l'avait rangé en B, donc voilà, c'est une bonne série la saison 1. Donc ouais, j'avais quand même des petites attentes pour la saison 2. Est-ce que je préfère la saison 1 ou la saison 2? Je préfère pas répondre à la question parce que bah ça fait un moment que j'ai plus revu la saison 1. Mais pour la saison 2, je trouve que le début était un peu timide. Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu lent, que ça avait un petit peu du mal à démarrer. J'avais l'impression pendant la première moitié de la série, on avait ils avaient un peu nerfé Loki, parce que on le rappelle quand même que Loki de base c'est un Asgardien. Je veux dire, le gars une main il peut soulever quelqu'un tranquille. Il peut alors que dans l'épisode 2 ou 3, il galère à rattraper un mec pendant une course poursuite de 5 mètres. Cette saison voilà, ça a aussi mis en avant plein de nouveaux persos. Je pense à Ouroboros, le sosie de Kang. Aussi je me souviens plus du nom, mais c'est la femme qui est avec Miss Minute là, qui était allée chercher en premier le clone de Kang. Je vais l'appeler le professeur, ça va être plus rapide, parce que sosie de Kang, au bout d'un moment, ça me fait un peu, ça me saoule un peu. On va dire comme défaut, c'était aussi tout le délire avec Miss Minute, qui d'un coup elle pète un câble, et puis elle a, je sais pas, elle a des espèces de sentiments contre Kang, enfin envers Kang, et elle voudrait, son rêve c'est d'avoir un corps humain. Enfin voilà, tout le délire avec Miss Minute, en mode attention, Miss Minute, c'est elle le problème, c'est elle qui va causer tous les dégâts au TVA, bah c'est pas non plus très impressionnant, parce qu'en plus dans l'épisode suivant, au final il règle le problème, Miss Minute elle disparaît de la série. La fin où Loki switch, voilà, il contrôle le temps, il peut retourner dans le passé. La mise en scène était incroyable. Pour moi les deux derniers épisodes c'était une masterclass. L'acteur qui joue Loki, peut-être que ça va être la dernière fois qu'on va voir Loki. Si c'est ça, bah en fait, même si c'est la dernière fois ou pas, bah dans tous les cas je trouvais que l'acteur, surtout dans les deux derniers épisodes, il joue super bien, mais dans les deux derniers épisodes, mon dieu, je trouve que là il était exceptionnel, vraiment j'ai bien kiffé son acting. D'ailleurs la fin où Loki se sacrifie pour au final prendre les branches et de les surveiller, de les maintenir, je trouvais que c'était à la fois inattendu, mais c'est ça aussi que j'aime bien dans, c'est ça en fait que je veux dans le MCU, c'est des programmes qui me surprennent, que vraiment je vois pas venir la fin. Et cette fin était magique, et c'est vrai que la série se finit de manière un peu dramatique, quoi, c'est-à-dire Loki au final il se sacrifie, il reste pour l'éternité sur ce trône à surveiller les branches. Et ouais, vraiment cette fin, à la fois elle me convenait, parce que vraiment c'était quand même triste de savoir comment Loki finit. Et moi je dis aussi, c'est plutôt bien de finir comme ça, parce que faut pas non plus abuser d'un bon programme. C'est bien que ça se finisse sur une bonne note, sur une bonne saison, plutôt qu'une saison de trop, à mon sens. Ouais, je peux finir en disant que le personnage de Sylvie, ça par contre c'est mon plus gros regret, parce que dans la saison 1 je trouvais qu'elle partageait un peu l'estrade de personnage principal avec Loki, et dans la saison 2 elle est mise en second plan, mais bon, je me dis, du moment qu'elle est bien traitée, ça me va. Mais sauf qu'au final, elle est pas très présente. Son perso est assez linéaire, c'est-à-dire elle est toujours là à en vouloir envers Loki. Alors je comprends, mais ça se comprend. Mais je trouve qu'en fait la perso, elle évolue pas trop. Elle est pas elle est linéaire. Les derniers épisodes où Loki face à Kang et puis celui-ci lui dit soit tu vas aller se tuer ou soit faut que tu tues Sylvie. Au final, on n'est pas très impliqué dans le moment. Enfin, moi perso, j'étais pas énormément impliqué, parce qu'au final, je trouve la saison
saison 2 n'a pas très bien traité le personnage de Sylvie. Voilà, c'est mon avis. Je vais m'arrêter là. Sinon, je vais continuer encore longtemps. Alors, enchaîne, Dophie. Non, mais ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Genre, les deux derniers épisodes, ils sont vraiment bien comparés aux autres. Ça, je suis d'accord. Mmh. Ouais, le final, Loki qui se sacrifie, moi, je trouve que c'est une très très bonne fin. Je trouve qu'il devrait pas avoir de saison 3 aussi. Moi, en fait, le seul problème que je dirais pour la saison 2, c'est que bah, il y a 6 épisodes. Genre, les 4 premiers épisodes, sans compter les deux derniers, du coup. Je trouve que c'est très très lent. Et du coup, je me suis vraiment forcé à regarder, quoi. Ouais, c'est les gars, parce que moi je l'ai fait en one shot. Dophie, dès que j'avais fini, tous les jours, j'envoyais un message. Mec, t'as bientôt fini la série. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais ouais, c'est vrai qu'au début des épisodes, je trouvais que ça durait peut-être un peu trop long. Ouais. Bah, moi, franchement, j'avais vraiment du mal à me mettre dans le truc. Hein. Mais bon, l'avant-dernier épisode, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, j'étais un peu content, tu vois. Ça changeait de. Enfin, là, j'étais plus en mode je me forçais, là, tu vois. J'étais en mode ah là, j'ai bien aimé l'épisode. Ouais, là, t'es donc, dedans. Ouais, là, j'étais dedans. Et du coup, bah, ça m'a donné directement envie de regarder le dernier épisode. Et voilà quoi, les deux derniers, franchement, j'ai bien mangé. Le final aussi, parce que moi, il y a un truc qui m'énerve chez Marvel en ce moment. C'est qu'avec tous les personnages qui sont en train d'introduire, ils font pas mourir les bonnes personnes, tu vois. Genre, dans Thor 4, dans Ant-Man, dans The Marvel et tout, enfin, je trouve que c'est toujours les gros persos secondaires qui sont censés prendre la relève qui meurent. Et genre, le perso principal que tu connais depuis des dizaines d'années, bah lui reste en vie, tu vois. Ouais, voilà. Mais là, exactement. Du coup, dans cette saison 2, c'est vraiment intéressant de voir Loki se sacrifier, entre guillemets, parce que honnêtement, je pense pas que Loki va être très très important par la suite, avec Avengers, etc., enfin, tout ce qui va arriver. Donc, c'est mieux de faire une bonne fin avec lui et qu'il serve vraiment à quelque chose et qu'il marque vraiment les gens plutôt que ce soit un autre personnage qui aurait fait ça à sa place et que du coup, ben, en fait, il soit là, mais du coup, qu'il serve plus à rien, quoi. Donc, voilà, à la même manière que Thor, par exemple. Bon, du coup, tu le classerais où, toi? Franchement, moi, j'hésite entre A et B parce que saison 1 était en B. Le truc, c'est que je me souviens plus trop de la saison 1, j'ai pas trop envie de les comparer. Ouais, je dirais quand même aller au même niveau parce que c'est vrai que, bah voilà, j'ai pas souvenir comment était la saison 1, est-ce que c'était meilleur ou pas. Et comme j'ai dit, il faut qu'ils s'arrêtent là, faut qu'ils arrêtent là le MCU sur Loki parce que, voilà, c'est une bonne conclusion. Puis ça change aussi, je crois que c'est vraiment la première série où ça finit mal, quoi. C'est vraiment le héros. Bah oui, il a trouvé une solution. Bah, ça finit pas vraiment mal. Mais, hein. Bah si, quand même. Enfin, oui, non, mais oui, il sauve le multivers, mais je veux dire, tu te mets à la place de Loki, c'est triste, quoi. Le gars, il peut plus voir ses amis et il doit rester pour l'éternité là à surveiller le multivers. Bref, en tout cas, voilà pour notre avis sur Loki saison 2. Et puis, voilà, donc bonne saison, globalement. C'était plutôt pas mal, il y avait plein de scènes intéressantes et tout. C'était sympathicos. L'actu qu'on avait pour cette vidéo, c'est un rapport avec l'acteur de Kang, puisque Jonathan Majors, ouais, il a été licencié, viré, ouais, il a été viré parce que voilà, il a été accusé d'agression, de je sais plus quoi, bref, et du coup il a été viré, donc il ne jouera plus Kang. Maintenant la question, c'est est-ce que ils vont enlever Kang et le remplacer par un autre méchant? Bon, ça va être compliqué de faire ça, ou est-ce qu'ils vont changer de casting comme ils l'ont fait par exemple pour Thanos, mais là vu que c'est un vrai humain, c'est un peu plus bizarre, c'est un peu ça le truc. Donc, moi, ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recasting un autre mec et que, genre, Kang, on va pas vraiment voir son visage ou alors il va être transformé dans Avengers, tu vois. Genre, je vois bien le tout début du film en mode Kang qui commence à avoir une grosse puissance et tout et il change physiquement et après, tu vois, il part attaquer les Avengers et tout machin et voilà, tu vois. Genre, on peut trouver une petite feinte comme ça. Ouais. Donc, voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de cette actu? Bah, déjà, encore une fois, je suis quand même dégoûté parce que l'acteur Jonathan Majors, voilà, en dehors de Kang, il a joué aussi dans Creed 3 et vraiment, je fais une petite parenthèse, mais vraiment je trouvais que l'acteur a été prometteur, puis même 2023, bah, c'était son année, quoi. Le gars était dans Creed 3, dans Ant-Man 3, même si le film n'a pas marché, bah, quand même c'est le méchant principal maintenant, et dans Loki saison 2, qui même dans le rôle du professeur, franchement il était très convaincant, parce que c'est vrai que c'est ça que j'aimais bien avec lui, c'est que tu vois le rôle de Kang c'est pas n'importe quoi, parce qu'il y a différentes facettes du personnage, bah, j'aimais bien, voilà, il était prometteur, mais bon bah voilà, c'est la vie. C'est vrai que je suis un peu ton
avis, c'est-à-dire je pense qu'ils vont prendre un autre acteur parce que c'est vrai que moi j'ai failli dire une autre actu, c'est qu'en fait il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi si Kang marchait pas, le MCU allait se tourner vers Dr. Fatalis en termes de méchant principal. C'est vrai qu'il est aussi iconique, mais en même temps je me dis qu'en fait s'il change de méchant, ça serait peut-être une mauvaise idée parce que bah déjà on nous l'a introduit depuis 2021 dans la saison 8 de Loki, donc je me dis quand même le gars on l'a vu 3 fois, dont un film, et je me dis franchement ça serait dommage parce que bah justement on nous l'a introduit. Il y a même une scène post-crédit dans Ant-Man 3, bah voilà, qui nous montre que voilà, il y a littéralement une armée de lui qui va attaquer dans le multivers ou dans l'univers principal, je sais pas. Bah, puis surtout, je me dis comment tu veux aussi faire disparaître et trouver une bonne raison pour faire effacer un personnage comme Kang, quoi. Le mec, il y a une version de lui dans chaque univers, donc c'est littéralement impossible. Non, mais je pense que les gens disent ça parce que dans les comics, Avengers Secret Wars a un gros lien avec Dr. Fatalis, genre il est très important dans le film. Les gens se disent, bah, ils vont peut-être le faire arriver plus tôt, mais ça marcherait pas parce que Avengers Kang Dynasty, est-ce qu'il sort avant ou après les 4 Fantastiques? Bah ouais, c'est ça, ouais. Et, puis surtout qu'en plus, encore une fois, c'est comme j'ai dit, mais franchement, tu peux pas trouver vraiment une raison de ouf qui tient la route pour nous expliquer que Kang d'un coup il disparaît. Et en plus, bah je veux dire, voilà, le gars, on nous le montre, il est puissant et tout, donc c'est ça aussi, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais en fait, c'est ça le problème avec les personnages hyper puissants avec le MCU, c'est que si vraiment tu veux les faire disparaître, c'est impossible parce que. Ouais, d'ouf. Ou alors, soit c'est possible, mais du coup, en fait, tu sais que si genre il vient, bah le film il finit en 2 secondes, donc ils doivent trouver une raison à la con. Mais en même temps, si volontairement tu veux le faire disparaître, bah ça peut pas marcher non plus parce que sinon, bah tu sens vraiment un vide. Peut-être que d'un coup il y aura, comment dire, un héros ou un ennemi en face qui sera aussi cheaté et ça va sentir le vide. Et puis, bah ouais, encore une fois, on nous le présente et puis. Et puis en vrai, voilà. Kang n'a pas vraiment. Il est pas très important pour l'instant, genre il a pas vraiment marqué les esprits. Il était que dans Ant-Man et le film a flop et il était dans Loki. Mais bon, on sait que pas tout le monde regarde les séries Marvel, c'est pas le grand public qui regarde ça. Donc je me dis pour le grand public, ils s'en foutent que Kang a changé. Tu vois, en vrai, il était juste dans Ant-Man, quoi. Vraiment, il y a pas de. Donc voilà, c'est pas si grave que ça. Voilà, donc moi je pense en conclusion, ils vont juste garder Kang, seulement ils vont prendre un autre acteur. Voilà, parce que encore une fois, c'est je me dis Kang, à mon avis, il aura un lien important pour plein de scènes post-crédit, plein de films. Non mais ouais, je suis d'accord. Après voilà, de toute façon Kang c'est pas non plus un personnage que j'aime en vrai. Enfin, je le trouve pas très intéressant pour le moment. Donc j'avoue que s'il change de méchant, bon ça me dérangerait pas non plus, mais ce serait mieux qu'il garde le méchant pour la cohérence, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Deuxième actu, alors là c'est pas dans ces Sony. C'est des rumeurs encore, apparemment ça n'a pas été encore confirmé, mais qu'en gros Sony envisagerait, serait peut-être en train de parler actuellement, de faire un film live sur Miles Morales. Voilà, c'est ça la grosse news que j'ai vue. C'est vrai que ça date un peu, je crois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et honnêtement, moi, alors en même temps, j'ai un peu peur parce que je me dis, Sony de leur côté, ils sont en train d'établir un univers de méchants sans Spider-Man. À la fois, j'ai peur parce que je me dis, quand même, c'est Sony. Bon, oui, ils ont fait Across the Spider-Verse, mais là, c'est un film live, donc c'est différent. Et en même temps, j'ai peur parce que je trouve que depuis sa création des années 2010, alors bon, c'est pas non plus, comment dire, il n'y a rien eu de, comment dire, le personnage, il a eu quand même des erreurs, il y a eu des histoires pas fous sur lui. Mais globalement, je trouve que Miles, jusqu'à présent, c'est un personnage, tu vois, il n'a pas eu une mauvaise présentation, il a toujours, je trouve. Parce qu'il est pas en live action, justement. Il est au summum, quoi. Là, je dis, bah, parce qu'il est pas en live action, justement. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est ça que j'ai peur, c'est je me dis, ouais, mais en fait, c'est ça, c'est moi, je veux pas que le jour où il y a un live action sort sur lui, bah qu'il soit raté, quoi. Parce que tu vois, tout a été réussi, que ce soit dans les comics, dans les jeux vidéo, bah, les films. Et c'est vrai que j'ai peur pour live action, mais en même temps, je me dis, je pense que quand même, les gens, ils ont conscience que le personnage, il est à la fois apprécié, il est important. Ça va être, quand le film va sortir, voilà, ça va être un film où ça va sûrement attirer l'œil pour tout le monde, ouais, c'est Spider-Man. Ouf, hein. Donc je me dis, je pense que, à mon avis, ils vont peut-être faire un film à part des méchants. De toute façon, je vois que ça, parce que si vraiment ils font dans le même univers, ça va être complètement stupide. Voilà, donc c'est ça l'actu. Des rumeurs qui disent qu'un film live action de Miles Morales serait en train d'être discuté, serait en préparation. Ouais. Et je suis curieux de savoir aussi ton avis sur cette news. Il y a même des rumeurs, bon, pas vraiment fondées, qui disent que ça pourrait être le mec qui joue Miles Morales, ça pourrait être l'acteur là dans Stranger Things, tu vois. Ouais. Ah oui, au niveau du casting, ouais. Ouais, voilà. Bon, après, voilà, c'est vraiment des théories. Ça n'a pas été confirmé, ouais. Ouais, c'est vraiment des théories comme ça, parce qu'il pourrait ressembler physiquement à Miles Morales, ça pourrait coller, donc voilà, c'est pour ça que j'avais vu ça aussi. Et j'avais vu des posters avec sa tête et tout, mais en vrai, ouais, ça rend bien, donc pourquoi pas. Moi, franchement, la live action sur Miles Morales, je suis pas du tout pour le moment. Après, ouais, c'est,
toute façon, ça arrive un jour ou l'autre. Hein. Ouais, voilà, pour le moment. Ouais, ouais, de toute façon, ça va arriver un jour ou l'autre. Mais en fait, là, le truc, c'est que l'univers de Miles Morales, il est trop marqué par son style d'animation. Et tu vois, la musique qu'il a, les transitions avec le dessin et tout, ça fait très comics futuriste un peu, avec une animation incroyable, hop, des couleurs vraiment, ça marche trop bien. Et voilà, s'il y a un live action de Miles Morales, moi, je suis complètement en contre pour l'instant, parce que ils vont jamais réussir à retranscrire la même ambiance que le dessin animé a pu faire, quoi. Bah après, c'est pas forcément voilà. Un mal, quoi, parce que je veux dire, bah après, je sais pas si tu suis la version d'Insomniac, mais tu vois, le Miles Morales dans les jeux vidéo, ça a rien à voir, c'est pas un Spider-Man qui voyage dans l'univers. Bon, oui, il y a toujours ce côté pop, enfin, je veux dire, littéralement, toutes les soundtracks avec Miles Morales, c'est toujours en rapport avec le hip-hop, le rap. Voilà, c'est pas un Spider-Man qui est là, vas-y, bon, je te rejoins après, Peter, faut que j'aille dans l'univers 443. Ouais, mais ça me dérange pas, parce que dans les jeux, ça a toujours été comme ça, genre même les Gardiens de la Galaxie, là, le dernier jeu, là, Gardiens de la Galaxie, ouais. Bah pareil, c'est pas du tout les mêmes persos et tout, mais ça me dérange pas, parce que c'est un jeu, tu vois. Là, c'est un film. Ouais. Bon, après, il peut faire une histoire originale, hein. Bah, pareil, les comics, les origines de Miles, au tout début, c'est clairement pas les films d'animation, là. Ouais, mais bon, je sais pas, ça ferait bizarre de commencer une histoire avec Miles Morales en dessin animé, et d'en recommencer une autre avec live action. Du coup, t'as deux histoires Miles Morales en même temps. Ouais, d'avoir une autre version à côté, ouais. Ouais, je sais pas, moi, ça... Pour l'instant, j'avoue, je suis contre. Après, ça va bien arriver un jour ou l'autre, donc faut juste, faut se préparer, quoi. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. J'avoue que je suis pas hype par un live action. Ok, voilà. C'est la fin des actus, merci à tous. Voilà, c'est la fin des actus. On est parti pour le tu préfères que j'ai préparé, un tu préfères très très sympa. On est parti. Mathieu, tu dois partir dans un voyage cosmique. Mais pour ça, tu dois choisir une équipe. Et t'as le choix entre deux équipes. Soit l'équipe des rouges ou soit l'équipe des bleus. Tu prends laquelle? Ok. Eh, vas-y, en vrai, je vais dire l'équipe bleue. J'ai failli dire le rouge, mais en même temps, dans le bleu, en fait, il y a. Comment dire? Voilà, il y a Fastos, donc mon membre préféré de la team. Ouais, je vais dire la bleue parce que pareil. C'est. En fait, tous les persos sont bien traités, tu vois. Donc c'était compliqué à choisir, mais je vais dire quand même la bleue, ouais, parce qu'il y a Fastos, il y a Athéna, j'ai Gilgamesh qui, bon, il a été tué, mais ah, il était incroyable. C'est vrai que le rouge, putain, ils sont incroyables aussi. Ouais. Enfin, je reste sur la bleue. Et toi, Tofi, tu dois aller sur Namek, Freezer va aller au MCU. Tu choisis quelle équipe entre le LOSC et le PSG? Moi, je prendrais... Ah, j'avais pas pensé à réfléchir aussi de mon côté, j'avoue. Oh, non, en vrai, chez les bleus, il y a Cersei qui est trop trop bien, genre j'aime trop son pouvoir, très visuel et tout machin. Gilgamesh, bah tu vois, c'est stylé, tu vois, c'est les gros coups de poing. Moi, j'aime trop l'équipe rouge aussi, parce que Makari, elle est trop bien, genre son truc de hyper vitesse et tout. Non mais ouais, son passage quand elle court là, incroyable. Ah, je vous, encore une fois, on vous le rappelle, mais allez regarder notre film qu'on a fait sur ma chaîne où on parle du film. Bon allez, vas-y, moi je dirais la bleue aussi, allez. Je te Ok, ah ok, je pensais t'allais dire la rouge, honnêtement. Bah allez, moi aussi, okay. Je pensais, mais non, au final la bleue. Voilà, c'était le tu préfères, on a pas eu de débat, en fait, on était d'accord. Bah du coup, on va passer à la dernière partie de la vidéo, le hype ou Morbin Time sur Deadpool 3. C'est parti. On est parti pour le hype ou Morbin Time. On est face au film Deadpool qui se situe juste ici. Là, hop, 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 hop. Alors déjà, on avait mis The Marvel en D. Donc ça, on va l'enlever vu qu'on l'a déjà noté. Deadpool, qu'est-ce qu'on en fait de ce Deadpool? Eh ben, bon, allez, j'ai commencé à parler. Je le mettrais honnêtement en B. Parce que c'est vrai que... Alors c'est fou parce que au moment où on fait ça, je crois que c'est une première où... Bah non, en fait, non, parce qu'il y a... What if... Je vais dire, c'est une première où on met... un film ou une série mais sans que le trailer sorte. Mais non, parce que bah What If, quand on l'avait mis, bah pareil, il n'y avait pas de trailer. Non, Deadpool 3, franchement, bah je suis confiant, parce que je me dis en fait, le film il peut vraiment être libre de faire ce qu'il veut, parce que bah je me dis il y aura très certainement et obligatoirement la transition entre Deadpool qui est toujours dans l'univers de 20th Century Fox et qui doit aller dans le MCU. Donc je me dis, moi je suis prêt à parier qu'il y aura une transition en mode Deadpool, il va dire un truc en mode oh tiens, l'univers du MCU, l'univers censuré,
rassurer. Bon, bah, allez, on y va. Enfin, je sais pas, un truc à la con. Donc, je me dis, voilà, c'est ça, je pense, ils peuvent, le film, il peut être libre. En même temps, il y a aussi Wolverine, le retour, et je me dis, pareil, Wolverine, il peut être très bien traité. J'ai très hâte de revoir Hugh Jackman. Pour moi, ça serait en B. Également, c'est vrai que j'attends beaucoup de ce film, parce qu'en même temps, je me dis, j'aimerais bien aussi savoir ton avis, mais je pense que c'est peut-être le film qui pourrait sauver, qui pourrait remettre en avant le MCU. Parce que, bah, voilà, ces derniers temps, bien qu'il y ait des bons programmes, voilà, globalement, c'est quand même médiocre chaque année maintenant. Mais je me dis, ce film, bah voilà, en même temps, c'est le premier film qui peut introduire vraiment pour la première fois les X-Men, vu qu'il y aura Wolverine, Deadpool, et bah peut-être voilà, de nous montrer une nouvelle ère, bah sûrement de nous préparer le terrain pour les Avengers qui arrivent. Ok, ok, donc toi tu mettrais en B du coup. Ouais, en B, je me donne pas non plus trop d'attente. Bah de toute façon, on connaît pas trop non plus, oui, il y a Wolverine, ouais, mais on sait pas trop non plus qu'est-ce que ça va raconter l'histoire. C'est vrai que moi, je suis plus parti pour le B, ouais. Bah moi, je l'aurais mis, moi j'hésitais entre B ou C, bon, pourquoi pas le mettre en B, mais ouais, c'est vrai que en fait, j'en attends pas non plus énormément parce que j'en ai attendu beaucoup de Ant-Man Quantumania et de Thor 4, donc voilà. Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'être déçu. Alors, je me dis, bon, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que ça va être le film qui va sauver le MCU? Moi, bah, je sais pas, parce que c'est un peu à part Deadpool, c'est un peu différent. Donc, même si le film est grave bien, bah, les autres films qui vont sortir après, vu que c'est dans un autre univers, ça veut pas dire que ça va être bien aussi, tu vois. Donc, ouais, mais bah, en même temps, bah, après, je me dis quand même, le concept, je veux dire, c'est bon, je sais que ça compte pas, mais c'est le seul perso qui brise le quatrième mur. Ah, c'est vrai que je parle un peu trop vite pour ce film, mais en même temps, je suis pas empêché de me dire que il a peut-être le potentiel vraiment de remettre en avant le MCU, de redonner entre guillemets un intérêt au grand public, quoi. Bah voilà un petit peu notre avis pour Deadpool 3. Voilà, c'est ça nous hype. Enfin moi, ça me hype un peu, mais bon, on verra bien, quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Ouais. Voilà. On sent que je suis très enthousiaste. le rythme est catastrophique, mais j'adore. Non mais voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Donc on verra bien. Ça se trouve, le film va être bien. En tout cas, il a le potentiel pour. Et puis ouais, vu que Deadpool, c'est un peu à part, c'est pas mal iconique aussi. C'est un peu voilà, devenu un personnage de la culture pop, beaucoup plus que beaucoup d'autres héros. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça va prendre une tournure différente aussi. Ça va être très drôle, très bah, j'allais dire très gore, mais non, pas vraiment. Mais genre un peu voilà, un peu sale au niveau des. En fait, c'est ça. Vu que c'est dans les MCU, on peut pas savoir en vrai. Hein, ça se trouve, ils peuvent nous surprendre. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire ouais, peut-être le film sera dans Marvel Spotlight. Bah non, c'est le MCU. Parce qu'en fait, je me dis, en fait, l'avantage des œuvres chez Marvel Spotlight, c'est que tu vois, vu que c'est pas lié, ils peuvent se, bah voilà, s'ils veulent, ils peuvent se permettre d'être violents, tout ça. Mais ça, que Deadpool 3, bah non, en fait, dès le début, c'est dit que ça est dans le MCU. Donc, on va voir un petit peu comment ça va être intégré et tout, parce que, ouais, faut voir, en tout cas. On verra bien quand ça va sortir, on en parlera évidemment. Mais d'ici là, on a le temps, hein, parce que ça va arriver pas tout de suite. Mais tout à fait, ouais. Voilà, c'est la fin de la vidéo, là, ça y est. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour le défi du montage, là. Exactement. Courage à toi. En tout cas, si ça vous a plu, ouais, je te coupe la parole. Vas-y. J'adore ça. Donc du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dofi. N'hésitez pas à liker, ça va faire super plaisir. Ça va soutenir énormément Dofi du montage et Dofi actuel. N'hésitez pas à partager parce que ça va faire aussi plaisir à tout le monde et à ceux qui regardent. N'hésitez pas aussi à écrire un commentaire. C'est pas mal non plus. C'est ouais, ça serait cool. Voilà, gros bisous et à la prochaine. Salut. Salut tout le monde.